des Marx Brothers français. C'est peut-être un peu trop tôt, non? C'est faux, on est fantastique, c'est pour ça qu'on en parle, parce que c'est vraiment délirant. On a un talent extraordinaire. Merci patron. Merci patron. Merci patron. Merci patron. Merci patron. Gamelle, gamelle, gamelle. Au cinéma, les Charlots cartonnent, en France et dans le monde. Acte de contrition. Nos films, évidemment, c'était pas du Woody Allen, les dialogues étaient rares. Allez, là ! 50 millions de spectateurs en Inde pour les fous du stade. Puis Gérard Rinaldi est le Marc de Marc et Sophie, la série télé. Fiction, théâtre et résurgence des Charlots en 2008, c'est ce qu'on appelle une longue maladie qui a eu raison de son énergie à 69 ans. Une activité bénévole. Voilà, Gérard Rinaldi, dont on a appris la mort cet après-midi. Retour sur son parcours avec Isabelle Bechler. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle.